Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec mes petits persos. On va leur dire hello et on va commencer d'entrée le jeu. Alors, attendez, on va faire une petite frappe. Voilà, on va poser la petite synchro, on va essayer de la poser loin de la zone du Kra. Voilà, tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se flou tout seul. On va faire une fuite, un vol du temps. Parce qu'il y a déjà le Kra, il a l'air feu. Et du coup, j'ai pas trop envie de me prendre des explos dès le T1 en fait, finalement. C'est ce qui va sûrement m'arriver, donc on va voir. Le tir critique, il crit en plus. Ok, tir puissant, il crit. Y a pas de soucis, il crit à tout là. Donc 187, 200, putain, 200. Yop 185. Du coup ça va être compliqué, on va directement poser une gardienne, hein. Là on a vraiment pas du tout le choix. Est-ce que je la mettrais pas au fond alors dans ce cas là? Je crois que je vais la mettre au fond la gardienne. D'un autre côté il faudrait qu'elle soit un minimum protégée. Allez, on va la mettre ici. C'est volontaire même si voilà. Je vais mettre la cahuète ici. Ah, je lag. Pourquoi je lag comme ça? Dans la tête, j'ai bien posé la cahuète et tout, mais... D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais normalement, j'ai censé... Ouais. En plus, j'ai vraiment cliqué dessus, hein, sur la case. Vous pouvez remettre en arrière, j'ai vraiment cliqué dessus, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas mettre, du coup, le... l'ossa. Ou alors, je lui donne les PA, mais non, je peux pas. Faut que je fasse PM... Kawot. En plus j'ai même pas armure de sel ni quoi que ce soit. Donc je vais quand même plutôt faire ça là. Tac. Hop. Voilà. Nickel. Bon c'est un Eka. J'ai quoi? Donc il y a Eka qui va sûrement me rusher. Qui était terre, donc j'avais joué contre lui il y a pas longtemps. Il était terre. On a l'Iopsac 185, je sais pas du tout quel élément il est, mais on va tester ça. Et le Kra, on l'a vu, il est feu, donc lui, c'est celui qui me fait le plus peur, hein, c'est l'élément feu. J'ai quand même 46, 44 et 37% de résistance, donc au niveau feu, je suis bien. Mais il faut faire attention quand même. Faut faire attention, tout simplement. Il faut faire attention. J'aimerais beaucoup ramener le Kra, en fait. Vraiment. Oh, putain, mais je me prends des pilules par lui. 2, 4, 5... donc on peut mettre une cahuète ici, on est même pas obligé de cadran. Ou plutôt ici, comme ça on va aller chercher directos. Tac. Hop. Ah, pourra se faire un vol du temps. Merde, j'ai pas assez. En fait, je pouvais faire juste un ralentissement. Ouais, le cadran qui me coûte cher de poser le cadran pour faire ça, mais bon. C'est pas gravissime. Comme là, l'Eka est dans notre camp. Là, ça lui force à faire des explos un peu douloureuses, quoi. On va voir ce qu'on fait. Je vais quand même armure de sel. Je vais armure de sel le Xelor, ça c'est sûr. Je vais me faire soigner par ma gardienne aussi. Pas trop de soucis. Ouais, c'est un peu dur là, ce que je prends. J'ai quand même 14 PA, donc je peux bien m'en sortir, mais bon. Tac. Fouen. Ressac. Est-ce que longue vue est mieux? 240. Normalement, je tape mieux, ouais. Tac. Ouais, bon, c'est pas grave, je vais me prendre les dégâts. C'est pas gravissime. Je vais me faire soigner de toute façon au final, voilà, plus que ce que j'ai pris. Et ça lui fait toujours des petits dégâts là. À la limite, j'aurais pu tacti aussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. J'ai l'armure de sel sur le Xelor, donc on n'est pas trop en danger. Je pense qu'il va pas précis maintenant, le Yop. On était deux. Bon, il va puissance, c'est pour le prochain tour.
Peut-être, ouais, une épée. Il est terre, alors, du coup. Réduit de 173, hein. Bah, du coup, là, on va passer sur le crapaud, sur notre ami. Les PA ont été donnés, mais du coup, je vais lui donner aussi la puissance. Et ce que je vais faire, c'est que au lieu de donner les PA directement... Alors, attendez, ça va faire... sanglier PA. PA. À la limite, on pourrait Reznat. Pour le soin de la gardienne, ce sera plus intéressant de Reznat. Et là, il devrait lui faire double... Voilà, double dopu avec le fouet nain. Il est à 1500 PDV. Il est plutôt dans le mal. Le Yop qui risque de nous embêter pour le prochain tour. Mais bon, en espérant qu'il... Bah, je pense qu'il va se chance. Si... Oh, 850. What the fuck. 850. Ouais, voilà, il va se chance. C'était obligé. Auto. Ah, il faut absolument que je le dégage là. Je dois le dégager. Alors, si je fais frappe. Plutôt frappe. Tac. Rollback. Momi. On va se mettre ici. Voilà, il se rebarre loin. L'Eka il sera en chance et il aura 3 PM en moins. Ouais, je vais dégager tout le monde. Ouais, je vais prendre masse dégâts, c'est pas grave parce que c'est maintenant qu'il va y avoir les soins. Du coup, ça va me faire du bien. Là, ça va me faire un bien fou. Là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, c'est parti. C'est parti en termes de soins. Là, on va être très 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 bien. C'est parti, c'est parti. Il faudrait pas qu'il m'enlève de PM sur lui. C'est bon. Allez, c'est parti, on évo directement la gardienne, on marée, on se cuirasse tous les trois si jamais il y a un souci prochain, je vais nous scaf, tac, je peux pas tacti, non je peux rien faire, ce que je fais c'est me mettre là, voilà, pour le prochain tour, regardez-moi ce soin, c'est parti, c'est pas grave si j'ai pas le secourisme, hein, je veux dire, c'est pas hyper important, quoi? Pourquoi il a pas soigné? Ok, très bien. Il y a, ah non, l'odorat, pardon. L'odorat, c'est moi. C'est l'odorat en fait qui a tout fait. Est-ce que le Xel il a une Reznat d'ailleurs? Non, il avait juste l'armure de sel. Bon, la puissance il aura pas fait sur beaucoup. Est-ce qu'il va précis? Je suis pas sûr qu'il précise. Juste vitalité. Et maintenant. Ah ouais, ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas gravissime. Ouais quand même je suis au dos et tout. Donc on va faire ça. Lui il a une Reznat. Ouais. Donc je vais faire un coup de soin sur le Steam. En espérant un beau jet à 600 hein. 500, parfait. Parfait. Je vais rester là je pense. De toute façon j'ai pas vraiment le choix. Je vais rester ici. Voilà, donc là on perd les PA. Mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai la TP? Normalement oui. J'ai 6 PM. Parce que j'ai... attendez, j'ai les PM de... Oh! Oui! Ça, c'est ça que je veux. En plus, il est en état téléfrag, il est en x2, je vais le chercher. Hein. Je vais le chercher. Oh, oui, putain, il faut que j'y aille. Là. Oh là là, il est fou. Il est complètement taré. Pourquoi il fait ça? Oh là, non. 190. Même si contre-coup et tout, je le ruine. Ah, mais même... Est-ce qu'il va me créer une entité, le petit hein? Est-ce que je le frappe? C'était peut-être un peu ballsy d'y aller. C'est pas grave. Il a perdu de PA. Ouf. Non, c'était trop ballsy d'y aller. Fallait que je rambo. Au lieu de frapper, fallait que je rambo. Parce que là, c'est mort. Il vient me caquer. C'est terminé. Non, c'est pas terminé. Il a la grosse protection quand même.
Si j'arrive à la fois tuer, est-ce que j'ai encore l'œil de taupe? Oh. Faut que j'aille vraiment le chercher. Donc là, y a pas à dire. Donc tacti. Aspiration. Voilà. Hop. Je le tue avec n'importe quoi, je pense. Parce qu'avec une flamme, je passe. Bon, c'est pas grave. Tac. Et un secourisme. Voilà. Bon, c'est dommage que je prenne pas les soins. C'est dommage que je prenne pas les soins parce que le Yob risque de me faire très mal. Mais au final, je suis pas si mal que ça maintenant. Ouais, bon, une colère. Une colère, c'est pas oufissime non plus, hein. Faut que je me prenne encore, pardon, un secourisme. Lui, il a quoi? Et on peut lui faire un petit crapaud les familles. Un petit bouffe tout crapaud. Voilà. Je vais me mettre ici. Qu'est-ce qu'il va nous faire le cra? Il va essayer de disper, il va libé. Il va essayer d'aller tuer le petit cra. Ok, d'accord, il continue de taper. Est-ce que je réduis moi de toute façon? Non, parce que j'ai pas de crapaud. Ok, bah allez, c'est parti pour les secourismes. Hop. J'avais pas les PM pour y aller. Hop. Ah, il fallait que je me décale d'un PM encore. Putain. Ok, 660 et 378. Ouais, ils sont bien soignés quand même. On peut pas dire le contraire. Oh, sa mère le soin. C'est fait pour ça, c'est exprès pour ça que je le fais. Il a une resnat? Il a qu'une resnat. Je peux la continuer. Il aura sa cocoté 7, faudra faire gaffe. Brocle, double cac peut-être. Une carry. Carry à 700, c'est pas énorme. Non, ça va, je tiens large. En plus, il fallait juste que je me décale d'une. Bon, pas mal d'erreurs, encore une fois, sur ce combat. Est-ce que c'est mieux que je le... qu'il se fasse soigner tranquillou? Un, deux, trois, quatre... Voilà. Ok, alors. Lui, on en est où? Il y a la synchro que je pourrais aller faire péter là-bas. Par contre, ce que je veux, c'est que lui, il me suive. Et du coup, nous on va faire un contre, un ralentissement. C'est pas ce tour-là, c'est le prochain. Qu'est-ce qui nous intéresse? Voilà. Je vais commencer à recentrer mon jeu tranquillou. Parce qu'il a pas de resnat lui, donc ça devrait aller pour ce tour-là. Ah oui, il va mourir, le crack. 488 points de vie. Ah oui, quand même. Je suis low sur 3 persos en vita. C'est pas la folie, hein. Alors,
Soin. Soin. Marée. On va essayer de s'écarter un maximum. Et là du coup on va se prendre. Donc il va se prendre un soin. Ouais, bon là je me prends que du dégât. 500 et lui 550. Bon, en sortie de précis, il va pas faire de masse de dégâts, mais c'est prochain qu'il a la coco. Donc prochain on va le. Bon on va le dégager je pense tout simplement. Ouais, puissance et tout. Logique. Je pense que je peux essayer de le tuer en fait avec le Xelor. Il a une vita ou pas? Il a une vita à 750. Est-ce qu'il s'est fuite le Xelor? Non, il s'est pas fuite. Mais si je le mets là. Si je le pousse avec un sanglier, il sera ici. Allez, on va tout donner sur lui. On va quand même assurer, mais. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il est en état? Oui. Tac. Alors, on va continuer de frapper sur lui. Je vais gêner lui. Non! J'ai pas pu aller le gêner. Parce que s'il en fiche pas 938 points de vie. Il perd une vita, il a 700. Ouais, il est mort! Il perd une vitalité! Ouf. Oh mon dieu! Il perd une vitalité. Oh, et le contre qui fait tellement mal. Et on retourne dans le soin, et après ça va tout de suite mieux. Euh, 752, on va quand même assurer le kill. Il sera pas soigné. Alors. Hop! Et je vais rester là, je pense. Pas besoin de plus. On va rester ici. On va rester ici. Voilà. On va attendre le soin tranquille. Voilà. De la gardienne. Voilà, il est mort. Est-ce que je peux continuer à le soigner? Lui, de toute façon, je suis obligé de le passer en crapaud Reznat. Tac. Enfin, pas forcément en crapaud, mais au moins en Reznat. Tac. On va faire Prespic PA. Non, Prespic tout court en fait, pas besoin des PA. Et un déplacement félin. Ce serait pas mal sur le Steam. Voilà. Ok, moins un seulement. Je perds quoi moi? Je perds une Reznat à 981. En fait je le tue quasiment je pense. Pas forcément. GG. Elle est un peu cancéreuse. C'est vrai que ma team est un peu cancéreuse. Enfin, elle est pas. Elle est quand même puissante, mais bon. C'est quand même pas facile à jouer. En plus, je galère. Je suis pas extraordinairement bon. Donc voilà. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, un petit combat de 20 minutes qui fait bien plaisir. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye bye.